Donc la séance, c'est vraiment une séance pas trop physique, parce que vous êtes quand même les organismes sont fatigués, vous avez fait tout le voyage, vous êtes levé tôt, etc. On vous demande de faire attention, c'est-à-dire qu'il faudra bien s'échauffer, il faudra prendre au sérieux. Forcément, c'est une séance qui sera quand même beaucoup plus ludique que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et risquer de se blesser directement. Parce que le premier stage qui a été fait aussi bien à Parme et à Milan, c'est grâce à eux qui s'est passé, hein, qui a pu se réaliser il y a à peu près une vingtaine d'années de ça. Et là, un petit peu pour rendre hommage au centre de formation, ils ont fait appel à un artiste local, hein, qui s'appelle Giuseppe, donc qui a peint, hein, ce beau tableau. Réveillez-vous maintenant. Il va pas se réveiller. Franchement, bien dormi. Et hier soir, on a mangé les pizzas, c'était un régal. Plus qu'à s'entraîner. Hein. Et le match ce soir? Le match 2-0 pour Milan. Pour les satellites, c'est un truc de zinzin ça. Soyez toujours dans cette recherche de comment je peux progresser avec vos qualités à vous. C'est très très important. On voit trop de gardiens de but, entre guillemets, passifs, dans l'attente. Vous n'avez pas le temps. À 12 ans, ça y est, c'est le bon âge. Il faut foncer. Vous avez de 12 à 17 ans, éventuellement pour exploser ou pour vous démarquer un petit peu des autres. Ça dépend de votre volonté. Soit vous le faites pour un petit peu vous amuser, soit vous le faites parce que vous avez des ambitions. À chaque fois qu'un coach vous parle, à chaque fois qu'il y a un exercice qui est mis en place, on ne doit pas avoir de gardien qui se disperse, qui part à droite, à gauche, qui rigole. Pour nous, ça n'a aucune place ici. Dans le bus, à l'hôtel, où vous voulez, amusez-vous. Mais là, on est là pour travailler. Soyez de l'avant, soyez appuyés, de l'avant. Bien joué. On sort les bras, voilà, bien joué. Allez, bien joué. Ouais.
que je peux avancer mon pied, je peux avancer mon bras et mon corps. Ça bouge partout pour que tu puisses pas m'accompagner. Là, c'est trop rigide encore. Ouais, pensez que sur les côtés, vous... Ouais, il a réussi. Et voilà, il a compris la technique. Ça, ça fait une écho directement directement sur mon téléphone. D'accord. C'est nouveau, c'est très pratique, tu vois, tu peux les faire sur le terrain, tu peux les faire avec une application, j'ai tous mes réglages en wifi. Ouais. Tu vois, on voit bien à l'écran. Très bien, là avec moi.
va Nico? Ça va et toi? Là ça va. Ouais. Visite du coup. Ouais. Et ça c'est super important. Jumper, comme je vous ai dit hier, à 40 c'est dur, d'accord? Passer le cap de 45 ans c'est dur. Mais des fois regardez, ils sont là. Et tu mets une sortie de bras, mais regardez, les 10 cm ils y sont. Hein. D'accord? Donc pensez sur vos sorties aériennes à faire comme ça. Et allez chercher dans le jeu. Ça c'est très important. Et vous avez vu aussi toute cette recherche d'appui, de déplacement, juste avant. Hein, on a une petite fréquence qui va accélérer le vol. Et après le rayon. Ça c'est important. On voit des gardiens, ils sortent. Oh. Les bras, top, pointe de pied. Allez. En forme dernier jour. Vas-y, tu vas remuer le. Je vais faire ça. C'est l'anniversaire d'Ilan. Donc, joyeux anniversaire, Ilan. Bon, les gens, toujours. Ça va, ils ont eu des gentils. Ah,
Flambant. Il est trop beau, c'est trop beau. Avec Thomas, donc on est sur. Refais-moi ça, s'il te plaît. Commence pas, toi, parce qu'il va t'arriver des malheurs. Allez, non, ben, cette année, c'est pour toi. Hein. C'est mon année. Hein. C'est ton année. Toi. Plaisir d'être à Milan sous le soleil. Arrête, s'il te plaît. Sous la vache. Viens, on va. Vas-y, on le fait en marchant, c'est bien en marchant. Petite promesse à faire, si je signe ici l'année prochaine ou dans n'importe quel club pro, j'invite tout le CFGB. C'est simple, tout le monde, tout le monde.